Et yop les petites biches, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et sur l'épisode 3 de The Last of Us. Donc tout d'abord je voudrais m'excuser pour le retard qu'il y a eu entre l'épisode 1 et l'épisode 2, puis l'épisode 3, parce qu'en fait j'ai voulu reprendre ma sauvegarde de. Enfin mon rec, mon enregistrement que j'ai fait sur l'épisode 3. Sauf que l'épisode 3 n'a pas marché. Du coup j'ai dû refaire toute l'histoire jusqu'au point où on était. Pour refaire la vidéo de l'épisode 3. Donc m'en voulez pas si la vidéo sera en retard. Donc aujourd'hui je la tourne dimanche 28 juin. Je pense que demain elle sera sur la chaîne YouTube à 18h comme d'habitude. Le petit rendez-vous des petites biches. Donc vous étonnez pas si j'ai une non-réaction sur les événements qui vont se passer pendant cet épisode. Car j'ai déjà fait plus d'une heure et demie de jeu après ça, sauf que j'ai tout perdu. Du coup, en gros, j'ai en tête l'épisode 3 et l'épisode 4 à peu près. Donc, merci de ne pas m'insulter, et je connais toutes les solutions aussi. Donc, ça va être très rapide. Par exemple, je sais que c'est là la sortie. C'est moche, hein, mais bon. Enfin, pour débloquer la sortie, il faut passer par là. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Mais non, attends. Je me souviens qu'il y avait une corde ici. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Et au fait, tu vois, cette mécanique, je la trouve sympa parce que d'habitude c'est toujours un lancer automatique. Là, c'est vraiment, tu lances la corde. Je trouve ça sympa. Ok, c'est bon. J'y vais. Après, je vais essayer de faire un maximum de choses sans trop vous spoil parce que j'ai une maladie de faire spo de dire des spoils un peu à l'avance. Fais gaffe en arrivant en haut! Il y a du vent! Par ici! Bah ouais, logique. On tombe sur la voiture. La tempête approche là! On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je suis. Allez. Ça part. Hey, c'est encore loin? Encore quelques minutes. Ok. Non, elle s'en va. Non, va pas trop loin, s'il te plaît. On va te perdre sinon. Avec ton petit chignon. C'est de pire en pire. On fait demi-tour. C'est trop tard maintenant. On y est prêt. Je sais, ma belle. Allez, continue. Qui est-ce que je disais? On va la perdre. Il y a encore ses traces. Dina? En vrai, ça va. Encore ses traces. Il n'y a plus ses traces. C'est étonnant. Oh là là. Et quoi ici? Dina, t'es où? Ellie. Ah bah je l'ai trouvé direct. Allez, c'est par là. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Pas à l'intérieur. Ouais. De toute façon, on est déjà allé à l'extérieur. Pas du zombie ici? Bah Dimitri il est tout gelé. Hein. Donc en gros. Bienvenue. Je suis passé devant. Ouais. Sans entrée. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne.
Si je me souviens bien, je sais s'il y a quoi ici. Je vais pas le lire. Dis-le pas. Bon, ce qu'il faut faire là, c'est... Voilà. C'est quoi tout ça? Ouais, j'ai pas tout fouillé, du coup je pense que ces trucs électroniques, plus tard on va c'est trouver. forcément à Eugène. Merci, T'es Tina. sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Voilà. Ah. Tiens, Luciole. Ouais, c'est bien la planque de Gênes. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Oui, donc je te disais qu'en fait, comme j'ai déjà fait un peu le début de l'aventure, en fait j'ai pas fouillé autant que ce que j'ai fouillé en vidéo. Du coup, je sais qu'on va trouver J'ai un trouvé un atelier pas loin. générateur. Voilà, regarde. Ici c'est un atelier et en fait de toute façon je ne vous montrerai pas l'amélioration que j'ai mise sur mes armes. Mais si j'y arrive, tant mieux. Ouais, c'est pas trop Ah, compliqué de faire ce comment ça? truc. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Bah oui, logique. Alors, ça, c'est complètement stylé. J'aime bien les détails de l'arme en fait. Read manual before use. C'est marqué. Lire le manuel avant d'utiliser. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Ah si, j'ai assez. Donc en fait, moi j'ai mis un recul tout à l'heure. Enfin, la dernière fois que j'ai joué. Ouais, elle sort un truc. Bon, en vrai, tu vois, c'est sympa, tu vois. On voit l'amélioration qui se met sur le pistolet. Ouais, ça va le faire. La carabine, pareil. Quand on veut faire de l'amélioration. J'aime bien l'animation qu'elle fait, tu vois. Par contre, elle remet pas la balle. Mais tu vois qu'elle défasse l'arme, c'est stylé. Et en plus, regardez, sur le logo de l'arme, on a un petit bonus, tu vois. On a un petit réticule en plus. Enfin, un petit logo, tu vois, qui dit qu'on a mis un recul. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. Du coup, comme j'ai, je sais quand m'arrêter. Du coup, je sais, ça va être bien ça. Je crois que c'est là la sortie. Aide-moi. En vrai, je trouve que par rapport au 1, le 2, il y a moins de loot. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? Après, c'est le début du jeu, C'est peut-être que. forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. J'hallucine. Oh non. Ah Ça fait beaucoup de oui. weed séché. C'est pas bien ça. C'est interdit. Non. Faut pas en prendre. C'est pas bien. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne?
Ça périple, la weed ? On va voir. Un coup de main ? Non, c'est bon. Oh, putain. Donne-moi ça. Quoi ? Tu crois que tu peux faire mieux ? Bah déjà, on est plus efficace quand on pose le truc. C'est... Ouais. Juste... Aussi. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Bah quoi ? Je l'ai ouvert. Elle a raison. Elle l'a ouvert. Et ouais. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincés un moment. On est pris au piège. C'est assez triste. Bon, j'arrête de faire des commentaires. Je peux te poser une question ? C'est pas ce que tu viens de faire ? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir ? Pourquoi tu veux revenir là-dessus ? T'as dit que c'était une erreur ? Moi, j'ai dit ça ? Quoi tu joues ? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi je dirais 6. Un 6 ? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Quoi ? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça ? Tu me donnes envie de retourner en plein. Et nous revoilà avec la Abby. Oui, c'est... En vrai, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Super désaffecté. Ouais. Oh putain. Ah oui, comme je suis pas sur ma sauvegarde principale. J'ai mis le jeu en facile, du coup ça va être plus simple de rattraper ce que j'ai raté. Ok. Il manquait ça. Dans le 1 en fait il n'y avait pas de phase de spring où tu te faisais courser. Et là c'est le cas. Ils sont où ? Yeah. Y'en a là ? Par là. C'est ta vie qui en dépend, Abby. Vite. Cours. Cours.
Il pensait à Thierry. Je sais pas c'est qui Thierry. Dans le jeu, je sais pas si elle connaît Thierry. Alors ici. Ici ça va être du Assassin's Creed. Je sais pas où il faut aller. Ah oui c'est là. Ça va lâcher. Allez. Allez, 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 allez. Oh, Joël. Oh oui. Nomi. Non, pas par là. Ça va? Ouais. Attends, je me mets. Je me sers mon petit medikit. L'important c'est de se casser ici. Voilà. Par derrière, faites moyen de barre de chalet. Oh, j'ai pas de meilleure idée en tout cas. Hé, hey, t'as un flingue? Oh, sympa ça. Faut qu'on prévienne les autres et qu'on revienne avec des renforts. Putain de merde! Ces enfoirés! Ah oui, du coup j'ai l'aide à la visée sur cette game. Donc je vous dirai à chaque fois que si je rate un. Comment ça s'appelle? Par cette porte, allez! Dépêche-toi! Je vous le dirai quand j'aurai l'aide à la visée. Je sais que ça marche. Là-haut, la fenêtre. On sort par là. Il y a un moyen de monter. Là, utilise ça. Hé, hey, toi. Allez hop, pousse. Faut la foutre sur le chariot. Ils sont en train d'entrer. Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre. Compte sur vous pour me couvrir. Ok. Le pied de biche est nul, hein, ça fait pas mal. Claqueur, claqueur, claqueur. Je suis plutôt dans l'esquive. Allez, ok. Ouf. Encore je peux le faire. Ouf. On y va. Allez, dépêche. Dépêche-toi. Oui. Je vais t'aider. Ren. Reste à côté de nous. Où est-ce qu'on va? C'est par là. Allez. Pas sûr de ralentir. Bah non mais... Oui mais... Il me saute dessus aussi. Par les portes, là. Par ici, vite.
Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Tiersen. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! Ça en fait du monsieur. Ça en fait du monsieur quand même. Je veux pas dire, mais bon. Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure là. Oh, je l'ai fait exprès. Pourquoi? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh merde. Reste où t'es, d'accord? Attends deux minutes! Mais retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok. Ça va.
Merci. Ouais. Hey, je peux te parler une seconde? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ces types? Vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, on fait passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon? Il est HS, mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! Pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. Ça fait mal ce truc. Joël! Tommy! S'il te plaît, sois pas mort. Joël! Tommy! Allez, plus vite. T'as le droit de courir, hein. Parce que trottiner, c'est nul, hein. Quoi ça? C'est juste une herbe buggée. Ok, j'y suis. Joël? Tommy? Est-ce que ça veut Non, pas bah, ok, on passe aux escaliers. En bas.
Nous on sait ce qui se passe. Elle sait pas encore. Coincez-la! Lâchez-moi! Vite ses mains! Lâchez-moi, putain! Salope! Arrête, ça suffit! Ok, lâchez-moi! Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le! C'est qui ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié, non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Non! Va au diable. Je te fais pitié! Ébloué. C'est trop. Vraiment, j'ai le seum là. Ah. Joël, celui qu'on incarnait dans le 1. Non. Non. Il est décédé. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle ne pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain.
Putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. Bon, bah sur ce, les petites biches, on va essayer là-dessus. Donc vraiment, je suis dégoûté. Que Joël soit mort si tôt. Ah, moi, dans ma tête, je savais qu'elle allait mourir dans le jeu, mais je pensais pas qu'elle allait mourir tout de suite. Vraiment, après 2 heures de jeu, franchement, qu'il meurt maintenant, je trouve ça moche. Mais bon, surtout, c'est qu'il se fasse tuer par la meuf qu'on incarnait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas. On verra ça dans le prochain épisode, peut-être, ou alors vers la fin de l'histoire. Et ça se trouve, ça va être épique. Bon, bah sur ce, les petites biches, je vais vous dire de vous... Si tu n'es pas abonné, je vais te dire le bouton rouge, tu l'actives, tu mets la cloche, le pouce bleu, ça fait plaisir, commentaire, machin, tout ce qui est classique, tu vois, tu connais, hein. Allez, sur ce, bonne soirée, bon appétit, et peace !